de la météo avec Anaïs Baïdemir. Je suis si heureuse de vous voir ce matin. Moi aussi, Camille. Toute belle en bleu. Est-ce que c'est un signe du temps? Effectivement, il va faire doux que doux. Doux que doux. Pose toujours des conditions anticycloniques sur le pays et petit à petit nous avons cette goutte froide qui nous intéresse, qui s'approche donc des Balkans et qui va nous apporter un ciel un peu plus laiteux pour ces prochaines heures. Alors ce matin, nous avons beaucoup de nuages bas, de bandes brouillard sur le pays, sur une grande moitié nord de la France. Toujours ces entrées maritimes autour du golfe du Lion avec le vent qui va souffler jusqu'à 80 km/h. Également des nuages bas dans le sud-ouest du pays. Dans l'après-midi, les nuages vont avoir du mal à se dissiper dans le Grand Est. Le soleil va dominer la douceur. Également ce matin, des températures autour de 4 degrés dans l'Est, mais déjà 17 degrés du côté de Perpignan. Et cet après-midi, eh bien, ça grimpe. On gagne encore localement 1 ou 2 degrés. On va retrouver 17 degrés à Paris, 8 degrés à Strasbourg, c'est la minimale, mais jusqu'à 22 du côté du Pays Basque ou encore de Pau. On aura 20 degrés à La Rochelle, 17 degrés à Lyon. Alors demain, on va retrouver à peu près la même configuration avec toujours ce ciel plus nuageux dans l'Est, quelques ondées autour de la Méditerranée et le soleil qui domine avec des températures qui restent trop, trop douces pour la saison. Très bonne journée. Souvent dépassé les 20 degrés aujourd'hui. Alors très vite, on parlait de l'indice EcoWatt, rien à signaler, les signaux sont en vert. On va toujours parler de cet anticyclone qui nous protège sur le pays, mais qui nous apporte également beaucoup de nuages bas, de bandes brouillard. Et nous avons également cette goutte froide qui est actuellement sur les Balkans, qui va nous concerner à partir de lundi. Alors ce matin, beaucoup de nuages bas, de bandes brouillard, de la Bretagne jusqu'à l'Est, des nuages qui vont encore de nouveau avoir du mal à se dissiper dans le Grand Est, des entrées maritimes autour du golfe du Lion, quelques nuages également ce matin vers la Nouvelle-Aquitaine, et dans l'après-midi, on aura un voile plus dense qui va se mettre en place dans l'Est. Ailleurs, le soleil va dominer. Quelques gouttes attendues, encore une fois, autour du golfe du Lion. Les températures ce matin, très contrastées. On a seulement 4 degrés, par exemple, à l'est du pays, du côté de Nancy, mais déjà 17 degrés à Perpignan, en passant par 12 degrés à Bordeaux ou encore 14 degrés à La Rochelle. Et cet après-midi, eh bien, par rapport à hier, on gagne encore localement 1 ou 2 degrés. Nous sommes 5 à 6 degrés au-dessus des moyennes de saison. 8 petits degrés seulement à Strasbourg, car nous avons cette couverture nuageuse, mais nous allons atteindre les 22 sur le Pays Basque, sur la Corse. Mamelouki 22 a gagné ce matin, 22 au Pays Basque. On lui doit bien au moins ça. Ah, c'est ça. Et bien. Hein. Et demain, on va retrouver à peu près la même configuration avec un ciel beaucoup plus dense sur l'Est et toujours de la douceur. Ah, week-end, moi, ne vraiment rien faire à Paris. Moi, je suis plus du côté du 8, moi. Je suis plus en Alsace, vous voyez. On est extrémité. Oui. Merci beaucoup, Anaïs. À tout à l'heure. On va parler, Anaïs, cette douceur anormale persiste. Effectivement, on est quand même un 12 novembre, on a des températures jusqu'à 6 degrés au-dessus des normales de saison. On attend par exemple cet après-midi à Paris 17 degrés, alors que normalement on devrait avoir 11 degrés. Des conditions anticycloniques, toujours cette goutte froide sur les Balkans. Ce matin, beaucoup de nuages bas, de bandes brouillard encore une fois sur la Bretagne jusqu'au Grand Est. Des entrées maritimes autour du golfe du Lion, sur la Nouvelle-Aquitaine également quelques passages nuageux. Et cet après-midi, c'est le soleil qui domine, un léger voile plus dense d'ailleurs dans l'est du pays et des entrées maritimes donc qui persistent autour du golfe du Lion avec le vent d'OTAN qui va souffler jusqu'à 80 km/h. Les températures ce matin, 4 petits degrés seulement du côté de Metz ou encore de Nancy ainsi que de Grenoble, mais déjà 17 degrés à Perpignan, 14 degrés à La Rochelle. Et cet après-midi, comparé à hier, nous allons encore gagner 1 ou 2 degrés sur une grande partie du pays. On attend 17 à Paris, je vous le disais, 18 du côté de Rennes, jusqu'à 22 sur le Pays Basque, 22 également sur la Corse et 8 petits degrés à Strasbourg à cause de cette grisaille qui sera très tenace aujourd'hui. Merci beaucoup Anaïs. Avec plaisir. Il fait, Anaïs, toujours aussi doux. Et oui, pour un 12 novembre, nous avons des températures jusqu'à 6 degrés au-dessus des normales de saison. Et c'est anormal. Nous avons toujours ces conditions anticycloniques, alors avec beaucoup de nuages, pas de bandes brouillard à cette période de l'année. Et nous avons également cette goutte froide sur les Balkans qui va donc nous concerner à partir de lundi. Alors, comme hier, vous allez retrouver beaucoup de nuages bas ce matin sur une grande moitié nord du pays, également vers la Nouvelle-Aquitaine, des entrées maritimes autour du golfe du Lion, avec quelques passages nuageux, quelques gouttes, le vent qui va souffler jusqu'à 80 km/h. Et dans l'après-midi, petit changement, un ciel un peu plus laiteux dans l'est du pays et ailleurs. Donc c'est le soleil qui rayonne avec des températures plutôt douces ce matin. Déjà 17 degrés à Perpignan, mais 3 petits degrés à Grenoble. Un petit 3, Oui, il y a quelques heures. 8 degrés à Paris, 5 degrés à Lille, 11 degrés du côté de Bordeaux. Et cet après-midi, regardez, on passe de 3 degrés à Grenoble à 17 degrés. Ah oui. 17 à Paris, 20 degrés à La Rochelle, jusqu'à 22 du côté
côté de Biarritz et 8 degrés seulement à Strasbourg à cause de la couverture nuageuse. On jette un coup d'œil sur votre dimanche avec la même configuration, quelques nuages attendus dans l'est du pays avec quelques ondées cette fois-ci autour de la Méditerranée ainsi qu'en direction de la Corse. Le vent qui restera sensible jusqu'à 60 km/h. Ailleurs, un léger voile qui se met en place petit à petit, prémisse de la perturbation qui va donc arriver lundi par l'ouest. Et nous avons cette goutte froide qui va se mettre en place autour de la Méditerranée avec des pluies orageuses attendues jusqu'aux Cévennes. Alors on attend quand même jusqu'à 60 mm de précipitations localement. Et vous le savez, nous en avons besoin. Donc c'est une bonne chose. Les températures, quant à elles, resteront d'un trop haut niveau pour la saison. Merci Anaïs. Anaïs, encore un week-end doux en perspective avant un changement à partir de lundi. Et moi, je vais pointer donc la grande douceur actuellement sur le pays. Bravo. Jusqu'à 22 degrés en direction du Pays Basque. Des conditions anticycloniques actuellement sur la France. Et nous avons cette goutte froide qui est en train de s'approcher du pays et donc qui va nous apporter de l'instabilité à partir de lundi. Alors, beaucoup de nuages, pas de bandes brouillard ce matin, avec une visibilité très réduite, par exemple à Lyon, 400 mètres seulement, 200 à Auch ou encore Montélimar, 300 mètres à Chartres. Donc, soyez prudents si vous prenez la route pour ces prochaines heures. Des entrées maritimes autour du golfe du Lyon, un ciel plus laiteux dans l'est du pays et le vent d'autant qui va persister jusqu'à 80 km/h. Température relevée il y a quelques heures. 3 petits degrés seulement à Grenoble, 6 degrés à Reims, mais déjà 17 degrés à Perpignan. Et cet après-midi, eh bien, on va passer de 3 degrés à 17 degrés à Grenoble, 17 à Paris, 20 degrés à La Rochelle, 8 petits degrés seulement à Strasbourg sous cette couverture nuageuse. Et on atteindra tout de même des valeurs jusqu'à 22, je vous le disais, vers le Pays Basque ou encore sur la Corse. Nous sommes jusqu'à 6 degrés au-dessus des moyennes de saison et c'est anormalement chaud actuellement sur le pays. Ouais, on va en parler dans un instant d'ailleurs. Merci Anaïs. Le week-end est anormalement doux, Anaïs. Effectivement, des températures 5 à 6 degrés au-dessus des moyennes de saison, avec l'indice éco-watt pour commencer, rien à signaler. Nous avons des conditions anticycloniques, mais à cette période de l'année, beaucoup de nuages, de bandes brouillard, de la grisaille, notamment dans le Grand Est, qui va avoir du mal à se dissiper. Alors, cet après-midi, on retrouvera encore ces bandes brouillard donc, dans le Grand Est, un ciel plus laiteux dans l'est du pays, des entrées maritimes autour du golfe du Lyon et le vent qui va encore souffler jusqu'à 80 km/h. Ailleurs, c'est le soleil qui domine et regarde les températures pour votre après-midi. Des pointes jusqu'à 22 à Biarritz ou encore à Pau. On aura seulement 8 degrés à Strasbourg à cause de cette couverture nuageuse. Ailleurs, eh bien, la douceur est donc de mise et ça va durer encore pour demain avec un ciel toujours plus nuageux dans l'est du pays avec quelques gouttes possibles et le changement est prévu à partir de lundi avec l'arrivée d'une perturbation par l'ouest, d'une goutte froide dans le sud-est avec de forts cumuls et vous le savez, nous en avons besoin, Maya. Très bonne journée à tous. Merci Anaïs, bonne journée.